Bonjour, je suis Anne-Sophie Luguet-Saboulard, je suis auteure de livres de cuisine et aujourd'hui je vais vous présenter un des secrets minceurs des japonaises. Ce sont les konjac, donc des spaghettis qui sont faits à base d'une plante et en fait qui sont quasi zéro calorie. Donc là je vous présente une recette de konjac à la carbonara. Pour cette recette, on a besoin donc d'un paquet de konjac qu'on va trouver en vente dans des épiceries japonaises. Donc on va prendre un peu de gruyère, donc de préférence allégée, puisqu'on est sur un plat quand même très light. Donc, on va mettre 70 g de jambon râpé, un petit oignon coupé, le jaune d'un œuf, et pour assaisonner, une sauce soja. Alors, dans un premier temps, on va donc mettre les oignons à revenir. Donc, j'utilise une poêle type wok pour éviter de mettre de la matière grasse. Voilà, donc là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour éviter que ça attache. Donc on a fait blondir les oignons, on va pouvoir rajouter le jambon râpé. En parallèle, j'ai mis une casserole d'eau à bouillir. Alors pour éviter que ce soit trop sec, hein, et comme c'est un repas plutôt diététique, on va éviter de mettre de la crème fraîche, on va mettre une bonne cuillère à soupe de fromage blanc. Et on remue. Et on laisse cuire. Pendant ce temps-là, on va préparer les konjac. Les vermicelles de konjac sont vendues dans un liquide pour les conserver. Donc on va rincer ce liquide. On les met un chinois et on rince à l'eau froide et on essaie de les défaire en même temps. Et donc on va les mettre à cuire 1 minute. Au bout d'une minute, on prend les vermicelles de konjac, on les rince. On les égoutte. On va les mettre dans la poêle avec le jambon et les oignons. On va remuer. Donc vous voyez, ça a quand même une consistance de spaghetti. Voilà. On va poivrer. Rajouter un peu de sauce soja. Et comme toute bonne carbonara qui se respecte, de l'œuf. Et on peut servir. Et on rajoute le gruyère par-dessus. Vous savez donc maintenant cuisiner des konjac carbonara, mais vous pouvez également cuisiner les konjac avec des fruits de mer, avec une sauce tomate, comme toute recette de spaghetti classique.